Pas facile à trouver votre hôtel, hein? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis fourbu, dedans. Est-ce que je peux avoir une chambre, s'il vous plaît? Une chambre? Mais oui, monsieur. J'ai bien dû tourner une heure avant d'arriver ici. Quelle heure est-il? 10:30, monsieur. Ben, c'est bien ça, depuis plus d'une heure. Enfin, je suis content de vous avoir trouvé. Alors, vous avez une chambre? Excusez-moi, mais je tiens plus debout. Monsieur vient de loin? Oh, ce matin, j'étais encore de l'autre côté de la frontière. Pour une personne? Pardon? La chambre que monsieur demande pour une personne? Ah, oui. Eh oui, je suis seul. Et donc, je pensais à une chose. On se couche comme les poules dans votre pays, hein? Il n'y a personne dans les rues, pas un chat pour vous renseigner, rien. C'est la première fois que monsieur vient chez nous? Non, mais la première fois, c'était... Il y a plus de 20 ans. On reconnaît plus rien. En effet, monsieur doit trouver du changement. C'est que depuis que nous avons conquis notre indépendance, nous avons beaucoup travaillé. Monsieur va s'en rendre compte. Dans votre publicité, vous dites pourtant que l'hôtel du commerce est d'un accès facile. Que monsieur m'excuse, mais je crois qu'il fait une petite confusion. Ici, c'est l'hôtel du progrès. Du progrès? Oui, monsieur. Pas du commerce. Oh non, c'est pas vrai! Vous n'êtes pas l'hôtel du commerce? Non, monsieur, non. Nous sommes à l'hôtel du progrès. Oh, alors celle-là, c'est le meilleur. Mais j'aurais pourtant juré que dans la nuit, j'avais vu clignoter hôtel du commerce. Non, je dois être vraiment fatigué. Hein. Comment dis-je? Je me suis trompé d'hôtel. Oui, monsieur. Ah, ben, c'est gai. Alors, comment je vais faire, moi, à cette heure-ci? Oh. Et il est loin, l'autre, l'hôtel du commerce? À 2 pas d'ici, monsieur. Ah, mais, oui. Monsieur, si je peux me permettre, je ne vous conseille pas d'y aller. Ah bon? Mais pourquoi, d'après leur publicité, ça a l'air très mieux? D'après leur publicité, c'est même exceptionnel, oui, monsieur, oui. Ah, je vois. Et ici, sans publicité, qu'est-ce que... L'organisation de l'hôtel du progrès a été spécialement étudiée pour répondre à tous les besoins du client. Seul à satisfaire une clientèle toujours plus grande, il a été conçu en tenant compte des dernières découvertes de la science, de la psychologie, et doit son nom « Hôtel du progrès » à cette particularité. Connaître le client mieux que le client ne se connaît lui-même, telle est sa devise, et tel est son secret pour le mieux servir. Prévenir ses désirs, répondre à ses besoins, satisfaire ses envies, réaliser ses rêves, en un mot, faire de lui un homme heureux. À l'Hôtel du progrès, le client n'est pas seulement un client, mais aussi un homme. Pas seulement un homme, mais aussi un esprit. Et Georgette, vous êtes gentille, arrêtez-vous un petit peu, c'est pas le moment de laver par terre, Georgette. Pas seulement un homme, mais aussi un esprit. Je veux dire, pas seulement un corps, mais aussi un esprit. Et Georgette, bon, vous me faites tromper, Georgette. Et pas seulement un roseau, mais aussi un roseau pensant. Pas seulement un estomac, mais aussi une intelligence. Et pas seulement une conscience, mais aussi une subconscience. Mademoiselle Georgette, je vous en prie. Bon, ça suffit. Le seau, la serpillière, ça suffit maintenant. Bon. Georgette, vous posez les affaires. Bon, d'accord. Excusez-la, monsieur. C'est une femme de ménage. Elle est un peu dérangée. Georgette, vous ne pouvez pas attendre qu'il n'y ait personne dans le hall pour faire ce travail. Allez donc nettoyer derrière l'escalier. Voulez-vous, Georgette? Bon. Et doucement les pieds. Oh. Elle est malade. Elle a vraiment que la peau et les os. Je me demande comment elle fait pour porter son seau. Avant de travailler chez nous, elle a travaillé chez nos concurrents. Monsieur peut voir dans quel état on en sort. En effet.
Non, elle est là pour votre publicité, quoi. Occasionnellement. Mais elle est surtout là pour travailler. Elle doit pas avoir beaucoup de force. Non, mais elle passe partout, monsieur. Nous lui faisons surtout nettoyer les endroits où les autres femmes de ménage ne peuvent pas passer. Par exemple, en ce moment... Tenez, monsieur, regardez. Regardez là. Oui. Il n'y a qu'elle qui puisse se glisser de cette façon entre le mur et la rampe de l'escalier. La méthode que nous appliquons pour satisfaire le client, nous l'appliquons également pour obtenir du personnel le meilleur rendement. Mais nous l'appliquons à l'envers, vous voyez ce que je veux dire ? C'est scientifique, monsieur. C'est pour cela que nous nous appelons hôtel du progrès. Quand on connaît un client, on peut en faire un homme heureux, monsieur. Quand on connaît une femme de ménage, on peut en tirer le maximum. Ah, bon, je vois. Excusez-moi. Je vous en prie, monsieur. Dites-moi... Non, mais vraiment, j'ai sommeil. Mais oui, monsieur, bien sûr. Nous remplirons une fiche de renseignements et grâce à ces renseignements, nous donnerons à monsieur la chambre idéale pour lui. Je ne peux pas mieux vous dire. Tenez, signez-la, s'il vous plaît. Oh oui, monsieur, la chambre idéale. À condition que l'ordinateur tombe pas en panne. Quoi ? N'écoutez pas, monsieur, c'est un baratineur. Georgette, vous voilà encore. C'est terminé, ce travail ? Ben oui, c'est terminé. Eh, hey, monsieur... Quoi, vous oui. savez pas ce qui est arrivé avant-hier ? Georgette, attention, je vais appeler Marco. Non. Vous importunez, monsieur. Mais non, laissez-la dire. Appelez pas Marco, monsieur Antoine, soyez chic. Alors tenez, puisque vous êtes là, au lieu de dire des bêtises, Georgette, racontez-nous à monsieur ce que vous savez des autres hôtels. Eh bien, vous voyez ce que je veux dire ? Je m'en rappelle plus. Mais oui, laissez-la donc tranquille, je me moque de ce qui se passe chez les autres, puisque je suis ici. Non. Elle va vous en parler rapidement. Vous aviez l'air d'hésiter. Je veux que vous vous décidiez en connaissance de cause. Il ne faut pas que vous puissiez vous dire, tiens, ah, j'aurais peut-être été mieux ailleurs. D'autant plus que votre idée était d'aller à l'hôtel du commerce, n'est-ce pas ? Oui, bon, ça... Georgette, allons-y. Racontez à monsieur ce que vous savez. Mais pourquoi ? Puisque je vous dis, je m'en rappelle plus. Si, vous vous rappelez très très bien. Allons ! Eh bien, Georgette, attention. Je vais appeler Marco. Fichez-lui dans la paix. Donnez votre papier, je vais le signer. Je vous dis, j'ai sommeil, moi. Ça y est, je me rappelle. Mais d'abord, pourquoi que vous voulez toujours que je dise du mal des autres ? Je m'en rappelle plus. Bon, voilà, assez ! J'appelle Marco ! Non, monsieur Antoine, non. Je serai gentille avec vous. Je jure que je serai gentille, comme la semaine dernière. Mais je vais être gentille tout de suite. Non, maintenant, tout de suite. Non, mademoiselle Georgette, écoutez. Non, je vous en prie. Enfin, quand même, quoi. Mais, Georgette, vous déchirez mon col. Dites, si ça vous dérange pas, je voudrais une chambre, moi. Si vous continuez, je vais commencer à penser que vous êtes un peu bizarre dans cet hôtel. Mais, Georgette, reculez-vous. Reculez-vous, Georgette. Enfin, quoi ? Monsieur a raison. Excusez-la, monsieur. Vous appellerez pas Marco ? Non. Mais qui c'est, ce Marco, à la fin ? Il fait partie du personnel ? Oui, c'est l'aide cuisinier, mais enfin, il fait un peu de tout, n'est-ce pas, Georgette ? Oui, monsieur Antoine. Bon, ne parlons plus de Marco. Ça fait rien, je dois quand même vous dire que... Je sais pas, mais... Je vous trouve bizarre, qu'est-ce que vous voulez ? Non, par exemple... Eh ben oui, là... Enfin, c'est peut-être une impression. Alors, écoutez, monsieur, vraiment, je suis désolé. Alors, vous voyez, Georgette ? Par votre faute, hein ? À présent, vous allez être gentille. Gentille ? C'est vous, monsieur ? Non, pas comme ça. Non, écoutez, non, bon. Non, je veux dire gentille, vis-à-vis de l'hôtel du progrès. En faisant quoi, monsieur Antoine ? Eh bien, en disant à monsieur ce qui se passe réellement dans les autres hôtels. Vous croyez que c'est bien nécessaire ? Ah non, j'y tiens. Il faut mettre les choses au point. Allons, Georgette. Nous ne parlerons plus de Marco. Alors, commençons par l'hôtel du commerce... Dites ce que vous savez à l'hôtel du commerce. À l'hôtel du commerce. Oui. À l'hôtel du commerce. Eh bien, dites-le. À l'hôtel du commerce, on ne mange que de la... Que de la quoi ? Que de la... Je m'en rappelle plus. Georgette, vous le faites exprès ou quoi ? À l'hôtel du commerce, on ne mange que de la... Que de la quoi ? Vous savez que Marco n'est pas loin. Oh non, écoutez, vous n'allez pas recommencer avec ce Marco. À l'hôtel du commerce, on ne mange que de la... Bon, j'ai compris. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on mange ici. Vous voyez bien que vous êtes quand même bizarre dans cet hôtel. Allez, je suis fatigué. Moi, j'en ai assez. Je signe. Attendez. Ça y est, je m'en rappelle. À l'hôtel du commerce, on ne mange
que de la mauvaise nourriture. On couche dans des mauvais lits, on n'a que des mauvaises chambres. Tous les clients sont exploités. Tout est dégoûtant quand... Quand on n'a pas beaucoup d'argent. Il y a des clients qui meurent de faim. Les meilleures plats sont vendus aux ans. Vous croyez pas qu'on perd du temps, puisque je suis ici, je suis pas à l'hôtel du commerce. Moi, je vous dis que je suis fatigué. Ah, ça y est, je m'en rappelle. Les meilleures plats sont vendus aux enchères. Ah, bon, enfin. Vous voyez, monsieur, je ne lui fais pas dire. Ouais. Bon, alors continuons. Georgette, parlez-nous de l'hôtel du sergent. Oh. À l'hôtel du sergent, on se lève au son du clairon. Tous les clients prennent leur douche en même temps. Le directeur passe dans les chambres pour voir si tout est propre. Les bons clients sont décorés. Les autres sont privés de sortie. Il y en a des qu'on fusille. Je crois que c'est tout. Oui, enfin, bon, vous avez dit l'essentiel. Bon, alors à présent, l'hôtel de la liberté. Oh là là, il y en a combien comme ça? 5 en tout, monsieur, avec le nôtre. À l'hôtel de la liberté, chacun fait ce qu'il veut. Quand il y en a qui sont couchés dans des bons lits, il y en a d'autres qui rentrent dans les chambres pour se mettre à leur place. Et... S'ils sont pas contents, on tape dessus. C'est ça. Après ? Les verres sont ébréchés, plein de rouge à lèvres. Il y a des mouches dans le potage. Les serveuses se prostituent. Le patron est homosexuel. Bon. La patronne se drogue, le cuisinier se masturbe. Dans le potage, on trouve des mouches. Les clients se battent, les robinets fuient. Les tuyaux font du bruit. Les verres sont ébréchés. Les serveuses font du bruit. Le potage est plein de rouge à lèvres. Bon, alors ça suffit, oui, ça suffit. Ça commence à se mélanger les pédales. Hein. Bon, alors c'est terminé. Cette chambre. Nous y venons, monsieur. Nous y venons. Georgette, ne partez pas. Monsieur. Parlez à monsieur de l'hôtel du paradis. Allez. Pour y entrer, il faut être en état de grâce. Si on est un couple, faut être marié. On n'a pas le droit de coucher avec les autres clients. Mais en ce moment, il y a un... je me rappelle jamais du mot. En ce moment, il y a un... Il y a un schisme. Ah oui, un schisme. Alors, dans la direction, ça va pas bien. Et ça fait la pagaille. Celui-là, je le connais moins bien parce que j'y ai pas travaillé longtemps. Oui, bah alors, dites le peu que vous savez. Mais oui, vous en faites pas, ça ira. Il y a des clients qui font des fautes mortelles. Alors, on les brûle dans la cour. C'est à peu près tout. Bon, bah ça peut aller. Je ne dirai rien à Marco. Vous pouvez continuer votre travail, Georgette. Qu'est-ce que je fais, monsieur Antoine ? Allez voir à la lingerie, je crois qu'il faut nettoyer derrière la grande armoire. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir y passer. Hier soir, j'ai mangé de la choucroute. Oh, mais je vais essayer. Au revoir, monsieur. Au revoir. Peut-être à bientôt. Mais oui. Peut-être, au revoir, j'en sais pas. Au revoir. Oh, la pauvre fille, non. Oh, la pauvre fille. Bon, alors, je peux avoir ma chambre, maintenant. Tout de suite, monsieur. Oui, c'est bien malheureux, comme vous dites, c'est une pauvre fille. Ils lui ont fait subir un tel traitement, c'est que si on n'y veillait pas, nous autres, ici, elle dirait n'importe quelle bêtise, vous savez. Alors pour moi, ils ont dû la droguer. Vous parlez des autres hôtels, naturellement. Oui, où elle a travaillé, oui. En somme, vos concurrents, c'est vraiment pas le pied, c'est moins qu'on puisse dire. Pardon, monsieur ? Je dis, vos concurrents, c'est zéro, des voleurs, quoi, puis même des assassins. Oui, monsieur. Si monsieur veut bien signer. Oui. Enfin, vous avez peut-être tendance à en rajouter. Enfin, après tout, je suis pas chez vous pour une éternité. Bon. Alors, là. Oui. Mais voilà votre signature. Alors maintenant, je vais aller coucher. Merci, monsieur. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à remplir la petite fiche pour l'ordinateur. Quoi ? Vous ne me donnez pas encore ma chambre. Ah ben non, monsieur. Non, non. Il faut remplir les petites fiches pour l'ordinateur. Nous devons déterminer très exactement ce qu'il vous faut. La chambre, le lit, la salle de bain, les repas, le service... Mais en somme, je suis pas prêt de me coucher, si je comprends bien. Mais bon, tout ce que je demande pour l'instant, c'est un lit pour dormir. Il y a un lit pour dormir, monsieur. Oui, un lit pour dormir, mais quel lit ? Quel lit ? Quel matelas ? Dans quel état est votre colonne vertébrale, le savez-vous ? Tel lit qui convient à telle colonne peut très bien ne pas convenir à tel autre. Et ce qui est valable pour le lit est valable pour les sièges. Écoutez, bon. Vous n'allez tout de même pas me faire une radio, ma colonne vertébrale, avant de me donner ma chambre. Et pourquoi pas, monsieur ? C'est une plaisanterie ou quoi ? Le matériel dont nous disposons permet de faire l'opération dans le minimum de temps, soyez rassurés.
Et maintenant, voulez-vous me présenter vos papiers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il vous faut comme papier? Eh bien, ce que vous avez, carte d'identité, livret de famille, livret militaire, carte de sécurité sociale, permis de conduire, permis de chasse, passeport, carte grise, carte verte, talon de vignette, bulletin de paie, je sais pas moi, attestation d'assurance, certificat de vaccination, certificat d'études, certificat de santé, certificat de travail... C'est tout? C'est, enfin, vous croyez pas que je me promène avec tout ça sur moi, moi? Mais, ma carte d'identité, ça doit vous suffire. Bien. Nous compléterons en vous demandant les renseignements, monsieur. Il y a toujours moyen de s'arranger. Bon. Alors, vous êtes monsieur Jean-François Germain, né le 21 avril 1921, à Lorient, département 56. Alors, bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon crayon. Mais qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il est cassé. Vous n'en avez pas un sur vous? Ah, non. Non, vous n'avez pas. Bon, un couteau, peut-être, pour le tailler. Bah non, j'ai pas de couteau non plus. Vous avez un ordinateur, mais vous avez les crayons qui cassent. Je n'ai rien pour les tailler. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous rappelez que je suis ici pour me coucher et que je me sommeille. Juste une petite seconde, monsieur, s'il vous plaît. 6. Allô? La cuisine? Ici la réception, monsieur Antoine. Oui, oh non, je vous en prie, monsieur Simon, non, je vous fais grâce de vous plaisanter. Oui, oui, bah oui, je suis avec un client, j'ai pas de temps à perdre. Monsieur Marco est-il là? Bah alors passez-le-moi. Merci. Espèce de gourde. Allô, monsieur Marco? C'est ici monsieur Antoine. Oui, très bien, merci, oui. Je vous appelais pour vous dire que j'ai cassé mon crayon, oui, pour l'ordinateur, je suis avec un client. Vous montez avec un couteau? Je vous remercie, monsieur Marco, à tout de suite. À tout de suite, monsieur Marco. Bon, eh bien, en attendant, si monsieur veut bien enlever son pantalon... Pardon? C'est à moi que vous parlez? Oui, monsieur, oui. Bon, alors, excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous venez de me dire exactement? J'ai demandé à monsieur s'il voulait bien enlever son pantalon. Ah bon, oui, ah non, oui, oui. Je ne plaisantais pas. Ah non? Ah non, non, vous n'en avez pas l'air. Alors, excusez-moi, mais pourquoi, s'il vous plaît, cette demande? Pour gagner du temps, monsieur. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur? Non, on n'a pas eu beaucoup de soleil. L'année dernière, à cette époque-ci, il faisait nettement meilleur. Ah oui, dans mon jardin, j'ai mis des tomates, ça n'a rien donné. Mm-hmm. Elles sont chères, les tomates, cette année, n'est-ce pas, monsieur? Tout est cher. Les prix ne cessent de monter. Oui, mais pas Marco. Pardon, monsieur? Je dis que si les prix montent, Marco, lui, il ne monte pas avec le couteau pour tailler votre crayon. Mais il va venir, monsieur, il va venir. Ah ben, tenez, le voilà, le voilà. Oh. Le voilà, monsieur Antoine. Hey. Vous avez votre crayon? Je vais vous tailler ça. S'il vous plaît, monsieur Marco. Comme d'habitude. S'il vous plaît, monsieur. Bien pointu, n'est-ce pas? J'adore tailler les crayons. Salut. Bonsoir. C'est le client? Oui. C'est sa fiche? Je vais le voir un peu. Mm-hmm. Né le 21 avril 21. Et ça lui fait... 56. Ah, tiens! La même chose que le département, 56. C'est marrant, non? Pas très ressemblante, la photo d'identité. On va faire gaffe à ça, M. Antoine. Allez, voilà votre crayon. Ah, parfait. Bien pointu. Parfait, parfait. Faites voir encore sa fiche. Ah, voilà. Il s'appelle Germain. C'est pas breton, ce nom-là. Mais non, mon père était de Strasbourg. Un maire de Lorient. Matinée cochon d'Inde, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça vous plaît pas? Bah... Ça veut dire que vous êtes un métèque. Alors, j'aime pas les métèques, vu? Silence. Monsieur Marco, je vous en prie, soyez gentil. Laissez-moi faire mon travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Excusez-le, monsieur. Mais je suis vraiment navré. Je vous présente nos excuses. Oui, non, mais monsieur Marco travaille à la cuisine, il fait très chaud et ça énerve, que voulez-vous? Bon, alors, nous disions donc, Jean-François Germain... Lorient, taille 1m78, signe particulier. Monsieur, s'il vous plaît. Pardon? Avez-vous un signe particulier, monsieur, s'il vous plaît? Rien, enfin, je sais pas. À peur, sinon que j'ai sommeil.
Il boude, le mec. Bon, que pauvre type. De quoi? Oh, hein, monsieur Marco. Quoi? Voilà, c'est monsieur Marco. Arrêtez. Ou retournez à la cuisine. Bon. Ah bah, je vais mettre sur l'affiche aucun signe particulier. Si. Son blaze. Quoi? Son nez. Bah, qu'est-ce qu'il a, mon nez? Il est de travers. Oh, mais... Regardez, monsieur Antoine. Mettez-vous là. Oui, attendez. Vous voyez? Oui. Il a le tarin qui fout le camp sur la droite. Le tarin qui fout le camp sur la droite. Oui. Moi, c'est pas évident, hein. Oh, ben, qu'est-ce qu'il vous faut, alors? Mais attendez. Qu'est-ce que vous... De ce côté-là? Non, sur notre droite à nous. Notre droite à nous? Ouais. Oui, ben, je suis pas d'accord. Oh, en tout cas, c'est la première fois qu'on me dit que j'ai le nez de travers. Vous, on vous demande pas votre avis. Laissez-nous faire notre boulot. Monsieur Marco, encore une fois, en voilà assez. Bon. Bon, je vous ai demandé de tailler mon crayon. Vous l'avez fait, je vous en remercie beaucoup. Mais je ne vous demande pas autre chose. Ceci est mon travail. Oh, si ça vous embête que je suis là, je peux partir, monsieur Antoine. Mais je vous rappelle quand même qu'on avait dit que vous deviez me montrer comment qu'on fait le boulot. Oui, ben c'est une affaire entendue. Si vous voulez me regarder travailler, restez là. Mais taisez-vous. Monsieur Antoine, hein, mollo, hein. Faut être correct avec mes zigs, hein. Sans ça, je me fâche, moi, monsieur Antoine. Mais oui. Pourquoi vous vous énervez comme ça? Sans blague. Je peux dire deux mots, moi? Mais certainement, monsieur, non, certainement. Ça va pas, non, sans blague, faut qu'il se prend, lui. Non, mais j'attends pour avoir une chambre. Alors, vous réglerez vos petites affaires après. Ce questionnaire, là, c'est terminé. Je suis fatigué, moi. Je voudrais me... Sans blague, mais qu'est-ce qui se croit, ce mec-là? Oui, vous avez raison. Finissons-en. Oui. Alors, bon, alors, je mets... Signe particulier, néant. Voilà, et ben voilà. Et maintenant, monsieur, je suis désolé, mais je vais vous reposer la même question. Je vous en prie. N'est-ce pas? Vous êtes gentil. Voulez-vous vous déshabiller, s'il vous plaît? Oh, ben, décidément, c'est une idée fixe. Mais monsieur, je dois remplir la partie du questionnaire qui se rapporte à votre morphologie. Et pour ça, je dois me déshabiller. Mais oui, monsieur, mais oui. Le pantalon, tout? Mais absolument tout, monsieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ben, ici? Dans le hall? Oui, monsieur. Allez, mettez-vous à poil et faites pas tant d'histoire. Si tous les clients étaient comme vous, mon collègue, il n'en finirait pas. Allez, donnez-moi vos fringues, je vais les tenir. Ah non, vous ne me touchez pas, hein. Ne me touchez pas. Tenez, monsieur Marco, passez-lui ce porte-manteau-là. C'est vrai, ça. Merci. Voilà. Grouillez-vous un peu. Oh, ça va, vous. Alors, tous les clients sont obligés de se déshabiller comme ça devant vous. Oui, monsieur. Et devant lui aussi? Même les femmes? Lorsqu'il s'agit d'une cliente, c'est une collègue qui vient faire l'étude morphologique. Bon, l'étude morphologique, ça me demande un peu... Vite! Vous permettez? Mon lacet, il y a un nœud à mon lacet, alors je... Et ça se passe toujours ici, dans le hall? Ah non, monsieur, non. Dans la journée, l'examen a lieu dans une petite pièce qui est là-bas à droite. Mais à cette heure-ci, il est exceptionnel de recevoir des clients. C'est pourquoi nous pouvons rester dans le hall. Toutefois, toutefois, si quelqu'un arrivait, je passerais... tenez, ce journal... Ah, monsieur, là, il pourrait se cacher derrière en le mettant comme ceci, là, voyez-vous? Oui, comme ceci. J'ai compris, figurez-vous, j'ai bon, compris. Eh bien, voilà. Bon, alors, dépêchons-nous maintenant, parce que j'ai vraiment sommeil. Passez-moi vos chaussettes. Oh, morphologie, allez. Quand même. Allez. Tenez. Voilà. Vous avez quand même des drôles de manières dans votre hôtel, hein. Franchement, j'ai jamais vu ça. Puis dis donc, vous faites des économies de chauffage dans votre 5 comètes, hein. Fait frisquet. Alors, qu'est-ce que je fais à présent? Que monsieur prenne patience. Il n'y en a pas pour très longtemps, vous savez. Passez-moi les papiers qui sont là, monsieur Marco. Oui. Puis-je vous demander... Merci. Puis-je vous demander de vous tourner un tout petit peu, monsieur, que je vous vois bien en face. Un tout... Là. Voilà, merci. Tenez-vous droit. Mais je suis... Non, tenez-vous droit. Et reculez-vous un tout petit peu. Voilà. Encore un peu. Mais faites vite, je vous jure que j'ai froid, moi. Je suis sûr... J'ai l'impression qu'on est tombé sur un râleur. Vous pensez qu'à vous piller, vous? Alors écoutez, Marco, ne recommençons pas. Bon, monsieur,
Monsieur. Oui. Oui, alors, maintenant vous êtes gentil. Mettez-vous de dos. Mettez-vous de dos. Voilà. S'il vous plaît. Vous faites demi-tour. Là, ne bougez plus. Monsieur Marco. Oui. Regardez la bouche, vous, pendant ce temps-là. Ah non, écoutez pas de chasse. Ouvrez la bouche. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi rime ce manège ? Marco va regarder vos dents. Nous devons être absolument certains que vous pourrez mastiquer les repas que vous prendrez à l'hôtel. C'est une étude scientifique du client, on vous l'a pas dit ? Mais vous n'êtes pas dentiste ! Chut, vous faites pas de bile, je toucherai à rien. Je regarde juste s'il faut vous arracher un chicot ou deux par rapport à la bouffe qu'on fait ici. Ouvrez la bouche, qu'on vous dit. Ah oui, c'est tout de même pas banal, hein. Ouvrez la bouche ! Retirez vos doigts ! Monsieur ? Oui. Votre épaule gauche. Oui. Elle est toujours comme ça ? Elle est toujours à gauche, oui. Ouais. On dirait qu'elle est plus basse que la droite. Quoi ? C'est très curieux, ça. Monsieur Marco, venez voir. Elle est plus basse ? Elle est plus basse. Bon, ça va pour les dominos. De mon côté, il peut bouffer n'importe quoi, mais il faudra voir l'estomac. Alors, vous disiez, monsieur Antoine, l'épaule gauche, qu'est-ce qu'elle a ? Regardez. Hein ? C'est très curieux. Monsieur, vous êtes gentil, aidez-nous. Oui. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Mais ne bougez pas, ça va pas être long. Restez comme vous êtes. Tenez, regardez. Vous voyez, monsieur Marco, c'est très net. Elle est plus basse, hein ? C'est ça, hein ? Eh ben, le quart de brie qui se fait la main à droite, les endos tordus. Ah, vous avez une tronche à faire du camping, vous. Oh, votre langage, monsieur Marco, quand même. Tiens-toi, il y a du bruit au 57. Georgette, parlez moins fort. Il est 1h du matin. V'là la Vénus de Milos. Le journal. Monsieur Antoine, le journal. Monsieur Antoine. Oh, monsieur Antoine, si vous saviez. Au 57, il y a quelque chose de pas normal. Il y a vraiment un drôle de bruit dans la chambre. Oh, ce que j'ai pu avoir peur. Vous dites au 57, oui. Il peut pas y avoir de bruit. C'est le client qui est mort, hier après-midi. Oh, mais c'est mon journal que vous avez là, monsieur. Je le cherchais partout. Vous pouvez me le passer ? Mais non, j'en ai besoin. Chut. Oh. Mais il fait peur. Prêtez-le-moi, je le rends tout de suite. Oh, dites. Ah, je sais ce que c'est qu'un bonhomme. Rendez-lui son canard, elle a l'habitude. On a encore du boulot. Mais... Oui, Georgette fait partie du personnel. Ah bon ? Bon, ben alors. Tenez. Merci. Oh, ça alors. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez ? Regardez, monsieur Antoine, l'hôtel Paradis a changé de direction. Hein ? Et après ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? L'hôtel Paradis, c'est pas nous. Allez, va lire ton journal plus loin. Non, restez là, mademoiselle Georgette. Je peux me rhabiller. Monsieur, nous venons de commencer. Tenez, mademoiselle Georgette, vous allez nous donner votre avis. Regardez, monsieur, je vous prie. Est-ce que vous remarquez quelque chose ? Oh, c'est pas vrai. Bah, oui. Alors, dites-nous quoi ? Il est tout nu. Non, pas ça. Regarde son nez. Tu trouves pas qu'il est de travers ? Moi, je dis qu'il est droit. Oui, il a l'air droit. Et les épaules ? Celle-ci est plus haute. Monsieur fait du camping. Je peux connaître le rapport entre le camping et mes épaules ? La plupart des campeurs ont l'épaule droite plus haute. Et ça nous sert à repérer les brebis galeuses. Ah bon ? Il y a des exceptions. C'est quand même un suspect. Bon, alors nous verrons ça dans des examens ultérieurs. Ah. Pour l'instant, nous pouvons dire seulement que vous appartenez. Alors tenez-vous bien droit. Tenez-vous droit. Levez les bras. Oui. Baissez-les maintenant. Parfait. Vous appartenez au groupe des dilatés affectifs à dominante psychonévrale. Ce qui nous donne, d'après la correspondance de Willman, le numéro 576, dans la catégorie levez la jambe, je vous prie. La gauche. Allez-y, baissez maintenant. Dans la catégorie 32. Vous pouvez vous rhabiller, merci monsieur. Alors, c'est pas trop tôt, dites donc. Mais est-ce que maintenant, puisque vous êtes dans les numéros, je peux avoir celui de ma chambre ? Parce que je voudrais vraiment me coucher, moi, j'ai un petit sommeil. Encore ? Oui. Soyez patient, il n'y en a plus pour très longtemps. Je vous demande juste une minute. Allô ? Le service médical ? Ah, merci, j'attends. À qui téléphone, mademoiselle Georgette ? Au service médical, vous allez passer la visite. Je suis pas malade. Taisez-vous, mon collègue téléphone. Allô ? Oui, ici, monsieur Antoine, j'ai un client. Vous pouvez le prendre ? C'est un 576-32. Entendu. Merci, docteur. Merci. Mmh.
Monsieur? Monsieur? Ouhou! Vous m'entendez? C'est Georgette. Oh, les salauds! Regardez-moi ce qu'ils ont fait de ce pauvre gars. Oh, ils l'ont bien arrangé. L'ignoble Marco. Monsieur? Ouhou! Monsieur? Vous m'entendez? Bien sûr qu'il ne peut pas m'entendre, battu comme il l'a été. Et pourquoi qu'il a été battu? Pauvre bonhomme. Pauvre petit bonhomme. Pourquoi qu'ils t'ont fait des misères? Dis, donne-moi ta tête, mon grand. Doucement. Oh. Je te fais mal. Oh, t'es plein de sang. Elle est gentille, tu sais, Georgette. Elle est pas si folle que ça. Oh, laisse-toi faire. Faudrait que tu te mettes sur le côté. Comme ça, tu vois? En posant ta tête sur mes genoux. Là. Voilà. C'est de l'eau froide. Faut bien te nettoyer, grand bébé. Laisse faire maman. Ça fait du bien, ça, l'eau froide sur son petit nez tout plein de sang. Ouh, ça fait du bien, ça, madame. Toute rouge qu'elle va être, l'eau. Toute rouge. Toute rouge. Et puis après, qu'est-ce qu'elle va faire, maman? Elle va peigner les cheveux. Et il va être beau, le grand bébé, à sa maman. J'ai mal. Ok, j'ai mal, hein? Oh, monsieur, c'est Georgette. Hein? Vous m'entendez? Georgette? C'est Georgette. Hein? J'ai mal partout, mon bras. Aïe, 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 mon bras. Oh, oui, je sais. Marco vous l'a cassé. On vous l'a mis dans le plâtre, mais c'est provisoire. Enlevez votre éponge, j'ai de l'eau qui me dégouline dans le cou. Ça va mieux? Un peu, oui. J'ai eu un ami, il était soigneur d'une équipe de football. C'est formidable ce qu'on peut faire avec une éponge. Qui c'est qui m'a battu? Marco, l'aide-cuisinier. Il n'est pas seulement aide-cuisinier, il... Oh. Mais le vilain, c'est qui voudrait me faire parler? Dites-moi au moins, pourquoi il m'a battu? Pourquoi on vous a battu? Oui. Pour avoir des renseignements. Quels renseignements? Pour remplir vos fiches d'hôtel. Mais pourquoi des fiches? Une seule, ça suffit, ça se fait en 30 secondes. Pas si on veut des renseignements complets, monsieur. Parce que il y a l'ordinateur. Faut le... Comment qu'on dit? Programmer, c'est ça. Je sais pas, moi, je comprends rien, l'ordinateur. Moi, je demandais seulement à dormir dans une petite chambre toute simple. Mais aussi, pourquoi que vous êtes venu à l'hôtel du progrès, monsieur? Vous saviez pas qu'ici, c'est plus moderne? Je vais partir. Allez, aidez-moi, je vais m'en aller. Oh, allez, ne vous énervez pas. Je vais m'en aller. Mais ça va s'arranger. Vous finirez par avoir une belle chambre. Ah, mais il faut être patient, hein? Promis? Allez, je vais vous laisser. Croyez-moi, ailleurs, vous n'aurez jamais le confort qu'on peut trouver ici. Oh, croyez-moi, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Non. Vous vous posez trop de questions. Faut prendre les choses du bon côté. Oui, oh, bon, ça va, laissez-moi seul, allez. Tiens, voilà Monsieur Antoine. Ah, vous partiez, Mademoiselle Georgette. Restez avec nous. Bonjour, monsieur. J'ai une bonne surprise pour vous. Pouvez-vous marcher, monsieur? Je peux essayer. Si vous voulez encore me poser des questions sur l'élevage du ver à soie. Non, non, que monsieur se rassure, pour lui, les questions sont terminées. Aidez-moi, Georgette. Oui. Nous allons conduire monsieur à la salle de l'ordinateur. Nous lui devons des explications
Et des excuses. Oui, ben, il ne s'agissait que d'une bavure. Et que voulez-vous, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Non, pas très bien, non. Mais qu'est-ce que nous allons faire dans la salle de l'ordinateur? N'ayez plus peur. Vous allez le savoir tout de suite. Aidez-moi, Georgette. C'est bien d'être venu le voir. Passez votre bras autour de mon cou. Aïe, mais attention, mon bras! Il est oui, cassé, je sais, alors. Je sais. Allez, doucement. Donnez-moi l'autre bras. Doucement. Attendez, tata, là, nous arrangerons cela. Georgette, laissez votre seau. Hein? Vous viendrez le chercher après. Bon, allons-y doucement. Nous allons prendre l'ascenseur. Oui, monsieur. C'est au deuxième étage. Appuyez-vous sur moi, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Voilà. Marco nous attend là-haut. Non, n'ayez pas peur. C'est pour vous faire des excuses. Nous y voilà. Marco. Georgette, avancez une chaise pour monsieur. Oui. Voilà. Marco ? Comment se fait-il que Marco ne soit pas là ? Marco ! Marco, où êtes-vous ? Tenez, prenez cette chaise. Là. Attendez, je vais vous aider. Marco ! Mais mon bras ! Ah, bon, tant pis. Nous nous passons à Marco. J'aurais aimé qu'il fût là pour vous faire des excuses et pour témoigner, mais je pense que vous ne douterez pas de ma bonne foi, monsieur. Ce que vous voyez au milieu de cette pièce, cher monsieur, c'est l'ordinateur de l'Hôtel du Progrès. Alors, comme je vous l'ai dit, lorsqu'un client se présente chez nous, nous avons pour but de savoir mieux que lui tout ce qui lui conviendra. À cette fin, nous recueillons le maximum de renseignements que nous faisons ensuite ingurgiter, si j'ose dire, à cet ordinateur. Et c'est lui qui, en principe, nous donne le numéro de la chambre, le menu, le régime, bref, tout ce qui peut contribuer à faire le bonheur de notre client. J'ai dit, en principe, car nous y voici, monsieur, il y a de temps en temps ce qu'il est convenu d'appeler de regrettables bavures. De ces bavures, vous fûtes la dernière victime. Monsieur, j'ai tenu personnellement à vous amener ici pour que vous en ayez l'explication. Peut-être nos méthodes sont-elles trop intellectuelles. L'avenir le dira. Alors maintenant, regardez, ou plutôt écoutez, et vous allez tout comprendre. Voilà, voici le paquet de 3847 fiches de renseignements que nous avons obtenues en vous interrogeant. Je les place donc maintenant dans l'ordinateur, et je mets celui-ci en route. Écoutez bien. Vous entendez? Ça fait du bruit! C'est normal que ça fasse ce bruit-là? Non! Justement! Comment? Je dis non! Je dis non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un ordinateur en bon état fait à peu près ce bruit-là, vous voyez? Vous avez entendu? C'est joli, je trouve ça joli. Alors maintenant, écoutez la différence. Il doit y avoir quelque chose de cassé! Et c'est pour ça que cette machine nous a induits en erreur. Et tenez, monsieur, voilà ce qu'elle nous a donné comme renseignement sur vous. Attention! Ça va être la fin! Voilà. Monsieur, regardez la fiche qui vient de sortir et lisez vous-même ce qui est écrit dessus. Tenez, monsieur. Voilà, lisez. Suspect ? Suspect. Mais suspect de quoi ? C'est ce que Marco a voulu savoir en vous interrogeant à sa manière. Ce n'est pas pour lui trouver des excuses, mais comme monsieur peut voir... Le premier responsable est tout de même cet ordinateur. Mais connaissant le bruit d'un ordinateur en bon état, vous auriez dû faire la différence, comme vous dites. Non, ce n'est malheureusement pas moi qui étais chargé de ce travail avant-hier soir. Je dois dire à monsieur que le coupable a été puni.
il manquait un peu d'oreille, il en manquera complètement. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur ? Mais monsieur doit être très, très, très fatigué. Marco n'étant pas là, je serai seul à lui présenter mes excuses et celles de la direction. Je le fais d'autant plus volontiers que monsieur m'est très sympathique. Mademoiselle Georgette va vous conduire à votre chambre. Mes voeux de bonheur, monsieur, vous accompagnent. Mademoiselle Georgette, c'est la chambre 837. 837 ? Vénard ! Vous venez, monsieur ? Oui, je viens une seconde et... Oh, pardon, j'oubliais. Donnez-moi la main. On va y aller doucement. Mais ça fait rien, vous pouvez dire que vous avez de la veine. Vous avez une chambre vachement chouette, vous allez voir. Regardez ça, monsieur. Elle est pas chouette, notre chambre? Si. Mais je suis fatigué. J'ai besoin d'être seul. Je vous laisse. Si vous avez besoin de quelque chose... Oh, mais qu'est-ce que c'est encore? Le téléphone, monsieur. Ah. Vous ne répondez pas? Non, répondez pour moi et vous dites qu'on ne me dérange pas. Allô? C'est Georgette. Oui, il est là. On vient d'arriver. Bon. D'accord, monsieur Marco. Bien, monsieur Marco. Hôtel de l'avenir. Oui, monsieur Marco, comptez sur moi, monsieur Marco. Monsieur, faut descendre. Oh. Descendre? Où? À la réception. Encore? Et pourquoi? On vient d'arrêter monsieur Antoine. Et après? L'hôtel a changé de direction. C'est monsieur Marco qui remplace monsieur Antoine à la réception. C'était son rêve. L'hôtel s'appelle maintenant l'hôtel de l'avenir. Faut descendre, monsieur. Croyez-moi, faut descendre. Oh non, vous en êtes certaine? Oui, monsieur Marco a pas mal de renseignements à vous demander. Je crois malheureusement que... Que quoi? Qu'il faut tout recommencer. Oh. Georgette, si j'allais dans un autre hôtel... Ça serait la même chose. Et puis ici, monsieur, le plus gros est fait. Enfin, faut l'espérer. Alors... Espérons. Mais Georgette, vraiment, je suis fatiguée. Je suis vraiment très fatiguée. Je vais vous aider, monsieur. Après, j'irai chercher mon seau.